Line Renault est une force de la nature. À 93 ans, elle est parvenue à se remettre d'un AVC. Si son combat pour bien récupérer a été long et parfois douloureux, la chanteuse est heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui elle est en pleine forme. Si est-il en tout cas ce qu'elle a confié dans les colonnes de France Dimanche, vendredi 17 septembre 2021. Tout va bien, a-t-elle confié avant de donner la preuve de sa belle rééducation. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner de la main droite et de la main gauche. Les deux fonctionnent sans problème. Mais le chemin vers la guérison a été long. D'ailleurs, Line Renault a parfois été découragée lorsqu'elle voyait que ça n'allait pas assez vite pour elle. Il faut dire qu'elle a passé du temps à l'hôpital. J'aurais normalement dû rentrer bien plus tôt chez moi. Néanmoins, lorsque j'ai fait la vessie, je me suis broyé la cheville et il aurait fallu m'opérer. Mais, on n'opère pas quelqu'un qui vient d'avoir ce genre d'accident. Voilà pourquoi j'ai dû rester 5 mois à l'hôpital, pour attendre que ma cheville, remise en place sans opération par les médecins, se rééduque correctement. Aujourd'hui, Line Renault est rayonnante et a le sourire. Elle est heureuse et fière d'elle d'être parvenue à dépasser cette nouvelle épreuve et voit l'avenir dans le positif. Line Renault parvient à ne pas toujours imaginer le pire néanmoins, elle ne cache pas avoir eu très peur lorsqu'elle a été victime de son AVC. Si elle parvient à avancer sans imaginer tout le temps qu'elle pourrait en refaire un, il lui arrive tout de même d'y penser. Elle sait que si est-il possible d'avoir ce type d'accident une deuxième fois, mais elle assure qu'elle n'est hantée par cette angoisse. D'ailleurs, elle a expliqué n'être même pas suivie spécifiquement pour ça.